Ok, bonjour, bonjour, bonjour. On retourne dans l'arène de Rimworld et on a toujours un Trumbo à buter en plus. Ok, on va laisser nos petits chameaux revenir à leur aise. Les gens vont un petit peu dormir, vont se réparer. Le chauve va être occupé là-bas. Alors, ce que j'ai besoin de faire après, ça va être de. Dans les ordres, je voudrais aplanir une surface. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, hein? On va venir ici. Voilà. Ce qui va me permettre après de pouvoir bouger cette lampiote ici. Je voudrais bien la réinstaller ici quelque part. D'accord? Alors également, il faut que je fasse ceci, puis après on fera ça, et ça, et ça. Voyez? Comme ça, je vais pouvoir casser les murs là-bas, tout simplement. Donc on va enlever nos petits bidules, risque d'un Coleman, Coleman, on s'en fout de tout ça, mon ami. Allez, ok, on continue. Avancer un petit peu plus. Ah ouais, par contre, je voudrais virer, descendre tout ce qu'il y a ici dedans, bien sûr. Bon, on va prendre celui-ci, peut-être que j'y arriverai plus facilement. Voilà. Parfait. Moi, les autres. Ah, j'en avais un. Ouais, dur, dur, hein? Allez, mon petit, reste, bouge plus. Arrêtez de bouger, les gars. Bah, on va faire autrement, hein. On va essayer de dire ici parce que sinon je vais pas y arriver, quoi. Alors, je vais demander en tuer deux là, 34 jours, et l'autre ici, ils sont à 6 seulement, ici de pourcentage. Donc, on sait que c'était, il y avait déjà celui-ci normalement. Halt, voilà. On descend tomatos, mon petit. Arrête de bouger, quoi, c'est tout ce qu'on te demande. Hein. Celui-ci, c'était la même chose, normalement. Voilà, les deux juvéniles, là. Voilà, ensuite, il y en avait deux nouveaux qui étaient arrivés. C'était les plus vieux et ils sont pas depuis longtemps chez nous, donc c'est ceux-ci. Voilà, toi, arrête de bouger, s'il te plaît, merci. Alors, on a un iguane en plus, tu vois, et tout, hein. À voir qu'ils sont morts, notre iguane. Enfin, il est déjà mort, mais à voir qu'ils sont pourris, je veux dire. Et l'autre qu'il a depuis 2 jours 4, c'est celui-ci. Donc, ça doit être l'autre, à moins qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus. Je crois qu'on a vidé le paquet. Ok, c'est bon. Alors, finalement, pour savoir s'il reste ou pas dans le pieu, c'est dans travail, et c'est le repos qu'on a ici. Et donc, lui, il n'a rien de spécifique à part du transport. Mais, ah ben voilà, il se lève, c'est bon. Mais il est guéri, hein. L'anarchiste est totalement guéri. Ok, on va aller attaquer l'autre. On va juste d'abord vérifier que tout le monde est en forme. Toi, tu attaques, tu le dromadaire. Tu te trouves où pour faire ça? Ok. Mais on va peut-être laisser faire. Hein. Non, tu as besoin absolument de venir ici. Hein, toi. On va te laisser dépecer. Ouais, on va te laisser dépecer. Ça finira bien par. Tu es où là? Et quelle heure est-il? Il est 19h, donc on va régler notre planning. 19h. Pour Decker, on va te mettre du temps libre. Ici, mon ami. Tu vois? Comme ça. Voilà.
Ça t'ira sans doute nous faire une petite. Tu vas faire ça, et puis après, à mon avis, tu vas aller. Regardons-le. Tu devrais aller faire de relaxation. Voilà. Et quand tu auras fini, tu seras bien remonté. On va aller en haut. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici, notre petit truc. Bien. Comment sont nos personnages à part toi? Elle est parfaite. Parfait. Parfait. Où en est notre plan de riz? On va finir de planter d'abord. Et dès qu'on a terminé, on repart à l'attaque. C'est pas d'équerre normalement, hein? C'est Sky. Ah ben oui. Vous voyez, Sky, elle est chétive, tout comme notre ami d'équerre. Alors, ça, c'est les parasites musculaires qui me. Poum, ok. Donc, toi, tu vas être soigné, bien entendu. Mais je veux que tu aies au moins ces herbes médicinales ou un médicament. Combien me reste-t-il en médicaments? J'en ai que 3. Et il te faut encore combien de jours avant de revenir chez nous? Bah, plus beaucoup, ça c'est sûr. Ok, on va te mettre herbe médicinale ou pire. Voilà. Et on va envoyer Madame Vache. Dès que vous avez terminé, mademoiselle, vous devriez soigner Sky. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, mademoiselle. Bon, on va. Où est-il, l'autre petit, là? Il bouffe des cadavres ou pas? Non, il ne bouffe pas. Tu erres. Tu vas bientôt partir de chez moi si ça continue. Donc, on va laisser notre ami faire. Ici, on a terminé. Oui, Dan, tu as fini. Ok. On peut aller attaquer. Donc, anarchiste vient nous dire bonjour ici, à l'intérieur, et tu ressors. On laisse la porte ouverte. Parfait. Ici, je laisse la porte ouverte pour l'instant, parce qu'à mon avis, je vais avoir besoin de bouger. Ça, c'est fait. Libellule, mademoiselle, voulez-vous venir prendre votre flingue. Venez prendre votre flingue et déplacez-vous ici, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, nous avons Monsieur Grizzly qui a plani le sol, qui va venir ici. Dame, mon ami, vient ici. Anarchiste, on a fait. Allô, va te mettre sur le côté. Là, voilà. Maker, mon petit, viens ici. Vache, une fois que tu as terminé, tu viendras ici. Tu peux pas. Vache, tu n'as pas le droit de nettoyer, toi. On verra dès que tu as fini. Et c'est parti. Il faut que je renferme de nouveau. Ah, on va laisser faire rapidement. Notre âme. Ok. Donc maintenant, les animaux, ils reviennent à l'intérieur. Herbivore, intramuros. Herbivore, intramuros. Carnivore, intramuros. All right. Merci, monsieur. Allez, mademoiselle Libellule. Je crois que tout le monde est à peu près dans le coup. Déplacez-vous ici, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Decker,
allez venir avec votre beau petit fusil, vous venez ici. Et Madame Vache, avez-vous terminé avec notre ami Sky? Vous avez terminé avec notre ami Sky et vous déplacez ici. Merci beaucoup. Allez, c'est parti mon kiki. Coleman, on s'en fout. Et donc, on tire. Non, pas comme ça mon ami. Tire sur Trumpeau. Allez, hop. Hop, 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 on revient ici, s'il vous plaît, mademoiselle. Venez me prendre le pistolet mitrailleur lourd et repositionnez-vous ici. Et ça, ça se referme. Allez, 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 allez les petits. Ça ne devrait pas nous poser beaucoup de problèmes, tout ceci. Voilà, il vient dans le piège. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui traîne, à part Monsieur le Chaud? Non. Allez. Le Trumbo. Boum, 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 boum. J'ai oublié de demander à Allo de venir ici et de venir ici. Regardons un petit peu ce petit monsieur. 12 conditions tending, il n'a encore qu'à 66%. Vous avez vu? Vous avez vu tout ce qu'il faut lui faire. Ce petit monsieur, hein, je vous signale tout de suite qu'il a... pardon, c'est pas ça que je voulais voir. Le cou, il a 200 points de vie, le cou. La tête, 200 points de vie. La corne, 160. Le crâne, 200. Oreille, 96 points. Vous imaginez, vous avez 30 points pour les parties les plus fortes de votre corps. Généralement, c'est 10. Hein. Voilà, le rein 120, vous c'est 10 hein, bien sûr, hein. Poumons, etc. Voilà, donc vous voyez la difficulté de tuer cette petite saloperie là. Ok, on l'a eu. Anarchiste, tu t'es encore fait toucher, mon pauvre petit. Avec une perforation cette fois-ci, hein. C'était un petit peu plus méchant. Sur le bras droit et l'humérus droit. Ok. On va rentrer. Tout le monde stop. Je veux juste que Libellule... Toi, t'as fini? Il est mort ou pas? Ouais, il est mort. Libellule, je voudrais que tu prennes ton fusil. Voilà. Et puis, logiquement, tout le monde devrait pouvoir... Transporte place d'acier... Bien. Et les autres, ils font plus rien. Allô, tu transportes ça? Bon, ben, au moins toi. Par Decker. Ouais. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu plus tranquille maintenant, c'est bien. Donc, surtout pour GK. T'as vu que j'ai mis un petit siège hein, ici. Un petit siège en dessous du gravat. Un lit pour animaux. J'ai mis ça. Parce qu'on n'a pas le droit de rester dessus. Donc ils sont obligés de venir jusque là. Et le gravat, souvent, il saute. Quand il y a plusieurs ennemis qui viennent, quand on a buté quelques-uns, ils sautent dans les trous. Ils sautent là, ils sautent ici, ils sautent ici. Et donc il n'y a plus rien à ce moment-là. Il y a un trou là. C'est vide. Et c'est pour ça que le centipède bloque parfois ici et puis commence à te tirer dessus sans aller dans la porte. Par contre, en mettant un siège, bon, on n'a pas encore eu de centipède, mais je crois que ça devrait aller. C'est, enfin, tu peux mettre, voilà, enfin, soit tu mets un lit pour animaux, ça marche très bien. Et le gravat peut venir très bien au-dessus, hein, il reste au-dessus sans problème. Voilà, voilà le principe, mon ami. J'espère que ça ira mieux, enfin que tu peux tester ça si tu n'as pas encore testé. Puis tu me diras si c'est plus facile qu'avant ou pas avec ça. Et donc toujours ne pas oublier, avec moi je le fais avec Jean, dès qu'il y a un mort ici dans le truc, surtout des mécanoïdes, hein, tu les enlèves directement.
Comme le centipède est beaucoup plus lent, en plus tu peux un peu le bloquer avec ce système-ci, par exemple. Hein? Mais comme le centipède est plus lent, bah, tu as eu le temps de buter normalement tous les mecs rapides, et puis tu les vires de là, quoi. Tu les vires de là, vite fait, bien fait, avant que le centipède n'arrive. Voilà. Logiquement, c'est comme ça que ça tourne. Ok, donc j'avais demandé ici qu'on fasse mes trucs. Je rajoute de l'énergie, câble électrique ici. Voilà. Ce qui devrait me permettre après de pouvoir réinstaller l'ampoule ici. Ce qui va me permettre de mettre trois murs. Ici, on mettra l'autre après. Et comme ça, je ferme totalement cette pièce. Je n'en veux plus puisqu'elle est dans... on a vu qu'elle était dans... attention, voilà, mode d'infestation. Et ça a marché. Bon, ça ne marchera pas à chaque fois, hein, parce que des fois, on va se le prendre quand même ici. Hein. Voici notre infestation, les petits gars. Bon. Alors, comment on fait ça? Ouais, mais alors, ça va faire de la viande. Ça va nous faire de la viande. Bon, je sais pas combien il y en a, mais... Vaut au moins... ouais, il y en a pas mal, quand même. All right. Eh bien, heureusement qu'on n'a pas eu trop de blessés. Mais le mouvement, t'es bon. T'es toujours bon. Oh, j'ai oublié de te soigner. Du bellule. Chloris. Ensuite, tous les autres, ben, ils se lèvent. Ils se lèvent tous. Alors, vous n'avez pas besoin de chapeau. C'est ça qui est chouette, ici. Donc, logiquement, ils devraient... Je devrais pouvoir les buter sans trop de difficultés. Libellule, dès que tu as fini de soigner anarchiste, tu vas reprendre ça. Dommage que j'ai pas de fumigène, de lance-flamme. Il y a un lance-flamme ici, mais il est biocodé. Donc libellule, tu fais ça. Le chauve, Grizzly. Oh, t'as faim et bon ben vous en faites. Vous aurez le temps les gars, vous allez d'abord venir ici. Alors, bah tu viens ici. Bam. Toi, tu viens sur le côté. Là. Anarchiste, ben dès que t'es debout. Hein. Toi par contre, mon ami, tu vas te reprendre un flingue. Un bon flingue, j'ai un bon ici, j'ai un fusil ici, bon. Je crois que ça, ça sera le mieux. Et il y en a un autre ici, un bon. On va plutôt prendre celui-ci. Pardon, on fait ici, tu viens, équipe. J'espère que maintenant je vais pas avoir un raid surprise à l'intérieur ici pendant qu'on a ça. Et puis tu viendras te mettre bah ici, alors. Maker, même chose. Toi, t'as ton flingue. Je sais plus. Je pense qu'ainsi on devrait être bon. Et vache. Tu viens. Bon, si, si, ouais, ça va. Allez, c'est reparti, mon kiki. Ah, je suis content d'avoir construit ça. Mais il en faudra d'autres. Hein. Il en faudra d'autres sur une plus grande superficie. Parce que ça pourrait aussi très bien décider de venir ici. Mais comme il n'y a pas assez de place pour les mettre ici, paf, ils sautent dans une autre en même temps. Hein. Vous avez des ruches là ou des ruches là. Oui, c'est ça le gros danger de laisser des trucs vides. Hein. Mais bon, c'est pas toujours tout ferme non plus. Libellule. Minute.
libellule, tu soignes, hein. Ok. Ok, je crois que... En tout cas, comment tu es? Perforation. Tu iras te faire soigner après. Viens ici. Voilà. Libellule, tu as terminé, donc tu viens. T'as faim, hein? T'as faim, ma chérie. Quelle tristesse. Ben, prends-moi ça et viens ici. Et viens, je sais plus où. Mais viens ici déjà. On verra bien où est-ce que je vais pouvoir te mettre. Oups. Voilà les petites bestioles. Alors on a droit à quoi? Mais il y en a déjà une bonne série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. 9 ruches. Eh ben. Et combien d'ennemis avec 9 ruches? Puisque vous vous rappelez, on avait eu un coup avec les 11 ruches qui me proposaient. Donc 9 ruches, on en a déjà 25 de petites saloperies comme ça. Et bien, et donc. Ouais. Alors toi, tu fais quoi? Tu attends sans rien faire, je préfère ça. Quelle température? 24, on est bien. Pour le moment, il creuse, hein, donc c'est parfait. Moi, j'aime bien qu'il creuse un peu partout. Tant qu'il ne creuse pas pour le moment dans ma... Alors, on a Maker Vache. Donc, Libellule. Qu'est-ce que tu fous avec cette arme-là, Libellule? Je ne veux pas que tu aies cette arme-là. Qu'est-ce que tu me fous, ma biche? Pourquoi t'as pas pris une arme correcte? Ouais, fonce ici. Ok. Ok, donc toi pour le moment tu vas être ici uniquement, on va attendre la petite, hein. Ici moi les petits trucs, tant qu'ils ne creusent pas, ils peuvent creuser, hein, ça me dérange pas moi. Ben après on va aller ouvrir la porte bien sûr. Hein. Libellule, allez ma biche, est-ce que tu es prête? Tu arrives. Donc on va demander à Maker de venir ici. Voilà, et Libellule, tu vas t'insérer entre les deux. Tu viens ici. Ok. On est prêt, on est prêt. Bam. La porte doit rester ouverte ici. Ok. Bam. Stop. Et je te bloque. Voilà, maintenant il s'amène. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Comme grosse bêtise, comme énorme bêtise. Énorme bêtise. Énorme bêtise que j'ai fait là. J'ai coupé ça. Alors que j'étais tellement bien là-dedans, quoi. Bah. Allez, anarchiste. Viens ici. Ok. Anarchiste, viens ici. Bouge ton cul, mec.
Ah, les anarchistes. Ah là 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 là. Ça, c'est qui? Allez, vache, je vais te reculer. Non, je peux peut-être passer. Ouais, on y va, c'est bon. Ouf, tant mieux. Ben dis donc, ça c'est idiot, hein. Je me suis fait brutaliser plusieurs personnes pour rien, quoi. Dont Allo, qui a quoi comme problème? Ok, pas de problème. Ici, vache, ça va. Grizzly, comment es-tu? Ça va. Toi, ça va. Et toi, ça va. Ok, vache, ma chérie. J'ai comme l'impression qu'il me manque des jambes. J'ai Libellule avec ça. Ok. J'ai vache qui vient ici. Ok. Allô. Une fois que tu as tiré, tu viens là. Voilà. Je crois que là, on devrait être bon. Il n'y en a plus que 16 déjà. Hein. Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Manifestation, ça, on a compris. Un colon a besoin de ça. On va vérifier ça. Grizzly, comment es-tu? 4 conditions. Et... ça va, ça va, et ça va. Moi, je n'ai pas de pépin avec tout ça, mes enfants. Et ça se termine petit à petit. Ok, je crois qu'ils sont tous abattus. Pardon, c'est pas dans la faune, on va aller ici, dans les ennemis. Ils sont tous au sol, ok. Donc on va tout saisir, je pense, non? Ok, on va les chasser. On va les chasser. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je crois qu'ils sont tous morts. Hein. Enfin, pas tous morts, mais voilà. Il ne reste que 9 et ils sont tous mis en chasse. Donc, j'ai besoin de mettre travail. Vache, tu deviens chasseuse. Allô, tu as quoi? Ok, allô, tu vas chasser. Toi, tu attaques le nid, hein, mais tu vois, vous allez d'abord chasser, les gars. Donc, ma chasse, elle se fait ici. Toi, tu viens en chasse. Anarchiste, non. Dan, non plus. Grizzly, non plus. Le chauve, non plus. Libellule est en deux. Decker, tu chasses. Et vache, tu chasses. Tout le monde sort de là. Alors, que se passe-t-il? Je veux voir mes cœurs. Tiens, viens chasser ça. Vache. Viens chasser celui-là. Libellule, viens chasser
tous les autres peuvent rentrer. Ah, attention. Il n'y en a plus. Ok. Il y en a encore un là-bas. Voilà. Parfait. Ok, nickel. Nickel. Alors, il faut maintenant que j'interdise aux animaux de venir me bouffer ça. Donc, on va voir vérifier nos zones. Nos zones d'animaux. Enfin, il nous faut d'abord de la place. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 180, plus ce qu'il y aura avec les rues. Les ruches, on a un petit peu de temps, je suppose, 3 jours, 2 jours, 9, normalement on a toujours un petit peu de temps, vous voyez, donc faut pas trop s'inquiéter, c'est gentil, merci d'avoir creusé pour moi les enfants. Ok. Alors, commençons tous mes personnages, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger. Le chauve, t'es parti faire donner à bouffer. Bien. On va débarrasser tout ça. Parfait. Normalement, ils ne devraient pas aller les bouffer, je crois. Quand ils sont interdits, ils n'ont pas aller les bouffer, normalement. Donc, carnivore, herbivore, ok, on peut laisser. Ils n'ont, par contre, intramuros, je vais pouvoir les... Bon, je vais les laisser comme ça, intramuros. De toute façon, maintenant, j'ai le droit de les remettre en extérieur. Donc, tous mes animaux repassent en... herbivore normal ici et herbivore normal ainsi que carnivore normal. Voilà, ça c'est rangé. Donc logiquement ici je crois que j'ai accepté les cadavres. Pas. Est-ce que j'ai accepté les cadavres? Non, je n'ai pas accepté les cadavres. On va prendre les cadavres d'animaux. Voilà, on va les ajouter. Et il y en a également ici. Il y a pas mal de travail à faire, mes petits-enfants. Bon, ça s'est pas trop mal passé, je crois. Est-ce qu'il y en a un qui veut bien aller se faire soigner? On va regarder ça. Dan, t'es parti te reposer. Grizzly, tu te reposes. Anarchiste, tu manges et puis tu vas aller te reposer. Allô, tu te reposes. Vache, tu manges et puis tu n'as plus que 94. Qui est mon meilleur actuellement? Mon meilleur coloniste au niveau de la médecine qualité et des soins, c'est quand même Vache encore. Tiens, 125%, ça m'étonne un peu.
parce qu'elle a quand même perdu un peu de manipulation, mais c'est surtout les yeux qui importent dans la médecine. La manipulation aussi, hein, bien sûr, mais regardons ça. Qualité des soins médicaux, quand même 125%. Ça va. Donc, vas-y ma belle, et puis t'iras soigner tous ces petits gens-là. Ok, alors, qui est-ce qui a besoin de médicaments ? Clavicule, bras, 28 sur 30, 22 sur 25, n'en a pas besoin. Anarchiste, je crois que tu as eu un peu plus mal cette fois-ci, non ? Non. Contusion, là on ne peut plus rien y faire, 25 sur 27. 20 sur 23, tu n'as pas besoin de médicaments non plus. Dame, à la main, tu n'as pas besoin de médicaments non plus. Enfin, je crois pas. J'espère bien que non. Et à l'eau. Contusion. 24 sur 25. C'est parfait. C'est dommage que j'ai fait cette bêtise. Je me suis trompé, hein. J'ai clac-clac, hein, j'ai fait le double, mais j'ai pas fait le double, j'ai fait le simple clic, et donc il est resté comme civil, et là il s'est enfui, puisqu'il avait le... Hein, c'était monsieur anarchiste, comme quand j'ai enlevé ça, il avait fuir, et donc il a vu les hop, et il s'est enfui, au lieu de rester sur place, mais c'est de ma faute, j'ai pas bien cliqué, sinon on aurait, Allo n'aurait jamais dû se faire toucher, vache non plus, bien entendu. Allez. On y va. Je vérifie vache. Voilà, vache. Je souhaite que tu ailles réparer tous ces gens-là. Tu commences par Grizzly. Tu continues par anarchiste. Tu continues par dame. Et tu finis par allo. Voilà. Je crois que tu n'avais pas toi de sang, hein. Non, tu n'avais pas de sang. Ensuite, on prend une deuxième personne. On va prendre Maker, qui lui va manger. Et une fois qu'il a mangé, il aurait besoin de plaisir. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre debout ? Ouais, Libellule. Mais non, Libellule, je ne peux rien foutre avec toi. Tu ne peux pas nettoyer le chauve. Tu ne peux pas nettoyer non plus. Et il me reste quoi ? Becker. Ok, tu transportes, et puis tu... Ouais. Et on va prendre Maker, c'est pas grave. Maker, une fois que tu as fait ça, mon ami, tu vas nettoyer. Tu vas... Nettoyer. Tu vas... Nettoyer. Tu vas... Tu vas déjà faire ça. Est-ce que tu peux encore... Non, tu peux plus. Donc ici, ça devrait aller. Ok. 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 De vérifier les médocs. Et je crois que personne n'avait besoin de médicaments, hein. Et le chauve non plus. Et les cœurs, pour le moment, non plus. Excellent. C'était une bonne attaque, ça. C'était bien pratique. Allô, il est déjà complètement guéri, il n'a même pas encore été soigné. Par moi, je crois, non. Ok, allô, tu vas pouvoir... Qui est meilleur maintenant ? Qui est le meilleur ?
qui est le meilleur? C'est toujours Vache. Allez, continue Vache. What is that? Qu'est-ce que j'ai entendu comme bruit? Quoi, il resterait à... Qu'est-ce que j'ai entendu comme bruit? Médicaments, inanition, soins, animaux affamés, ah, orage! Bah oui. Ouais, ça va, hein? Ok, merci. Allô, je voudrais que tu viennes soigner Vache. Allez, vas-y. Eh bien, voilà. Deux trumbos et de la viande. Donc, ici, nous allons lui dire de modifier un tout petit peu nos choses. Donc, les plats simples, normalement, c'est de la viande crue, chair humaine et viande d'insecte. C'est parfait. Je lui ai mis un... ici, comme vous pouvez le voir, 21. Donc, on va agrandir un tout petit peu encore. Parce que je vois que je n'ai pas tout. 27, ça devrait se faire sans problème. Ouais, j'ai toute la viande là. Je ne vais pas aller trop loin parce que je ne veux pas sortir de la base. On va descendre de 2. Je pense que ça devrait être meilleur comme ça. Voilà, mais là, je prends toute la viande. Alors, pour faire du pemmican, par contre, montre-moi un peu, tu fais du pemmican avec quoi? Tu fais du pemmican, mais pas avec cette viande. Ah, ok, pas de viande d'insecte. Logiquement, la viande d'insecte, elle va se faire rapidement. J'ai demandé donc que normalement les plats se fassent en viande d'insecte, hein, d'abord. Donc ça devrait pas être trop mauvais. Je pense que là, on commence à être bon. On va pouvoir rentrer des choses comme ceci. Vous voyez, c'est du biocodé. Donc la seule chose qu'on peut faire avec du biocodé... Oh, t'es pas biocodé, toi. Oh. Ah bon? D'accord, excusez-moi. Ah, c'est bien ça, j'aurais pu l'utiliser. Toi, t'es biocodé, par contre. Voilà, là, ça diminue un peu. Pour nos animaux, hein, qui puissent aller récupérer tout ça. Bien qu'on a toute la viande encore à prendre. Il y en a encore quelques-uns. Et Dan est totalement guéri. Parfait. Vache. Je voudrais que... montre-moi où tu en es, Sky, s'il te plaît. Ta santé, là, t'as été bien soigné la dernière fois ou pas? Qualité du traitement 53%. Il faut 300%, si je me rappelle bien. Donc, pas 6 jours. Ah, si. Puisque c'est par traitement, vous voyez. Prochain traitement dans 1 jour 4. Donc, ça dure 1 jour et demi un traitement. Je vais te passer au médicament. Je vais te passer au médicament. Parce que t'es bientôt avec nous. Hein? T'es bientôt avec nous? Reste 5-4. Dan a fait combien la dernière fois? Il a fait 1.4. Ouais, donc il va à peu près s'en sortir comme ça, je suppose. Voilà, Petit Castor, tu vois la table ici d'échecs? Bah, tu peux mettre 4 chaises sans aucun problème, puisqu'ils peuvent aussi, non seulement ils peuvent jouer à 4, mais ils peuvent jouer tout seuls aux échecs. Tu vois? Ça, c'est important à prendre. C'est pour ça que tu peux en mettre autant de chaises que 4 places de disponibles autour. Idem pour la table de poker, idem pour le jeu dur ou des choses comme ça. Tu fais comme tu veux. Ok. Donc là, j'ai pu bouger ma lampe.
Je souhaite maintenant de faire une copie ici, au début, et puis on en fera une après. Ok, va chez Guéry. Il n'est pas en Coleman, t'es où toi maintenant? Ça doit être assez pas mal, hein? T'as tenu le coup jusque-là, dis donc. Regardez-moi un peu ce pauvre garçon. Il n'a plus de nourriture, mais il tient le coup, hein? Il tient le coup, hein? Mon avis, elle est tellement débile, c'est ça son problème, hein? Elle est débile, donc. Elle a de la démence, hein? Donc. Elle ne se rend pas compte très bien de ce qui se passe, quoi. Je me demande si elle peut s'offrir en tant que cadeau. On verra bien, on verra bien. Narcisse, t'en es où, mon petit? Ça se termine, hein? Alors, est-ce que vous m'avez ramené des viandes? Non, on n'a pas encore ramené de viande, les gars. Grizzly est totalement guéri. Alors, les animaux, je voudrais que mes herbivores, où est-ce qu'ils en sont? Pourquoi vous ne venez pas ici, les gars? Herbivores. Ouais, vous avez le droit de venir, hein. Et comme vous êtes herbivores, vous pouvez aller ici. Conduire les cadavres. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh! Alors, vous préférez vous occuper de petits trucs qui ne servent pas énormes. Voilà. Mais Decker va nous faire ça. Bien, mon garçon. Là, ça, c'est pas mauvais non plus de commencer à couper tout ça pour une fois que ça a poussé. Ok, ben ils y vont tous un petit peu, hein. Bud a brisé le truc de Dan. Ok. Alors, est-ce que nous avons ici? Où est-ce que nous en sommes? Je crois que je ferais peut-être bien de l'ouvrir, ce petit truc là, parce que notre copine va bientôt sortir de ce truc. Bud, Dan, tu essayes de recruter, oui, mais tu vas ensuite nettoyer un petit peu tout ça, étant donné que c'est pas propre. Et mon ami Chauve, il va s'occuper un petit peu, un petit coup sur Sky. Non, il ne peut pas, tant pis. Par contre, Chauve, il peut peut-être aller nourrir Bud. Ouais, allez, vas-y. Bon, alors il y a des choses intéressantes aussi ici dedans, c'est ces petits trucs-là, les glumes lumineuses, qui sont vraiment parfaites pour partir en caravane et miner. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous pouvez les laisser se reproduire aussi, hein, si vous souhaitez. Mais vous devez quand même faire assez attention. D'ailleurs, je vais peut-être bien en laisser une ou deux ouvertes, moi. Pourquoi pas? Hein? Pas plus mal. Mais il faut faire attention parce que vous, au bout d'un moment, vous êtes vite. Alors. Alerte, maladie grave. Pauvre Coleman. Elle n'a pas pu aller jusqu'à destination. Elle est couchée par terre. Ma pauvre fille. Oh, quelle tristesse. Manipulation. Conscience est à 10%. Je vais pas te bannir, sais-tu. Tu vas tout simplement mourir. Comme ça, j'ai pas, au moins, j'ai pas le bonus de l'avoir banni. Ok, les petits gars, là, j'aurais préféré que
que vous me fassiez un petit peu de transport. Donc, on va un petit peu modifier notre travail. Modifier notre travail et le transport général de Dan. Pourquoi il est à 9, je n'en sais rien. Allô, on va descendre à 7 aussi. Ah oui, c'était pour les nettoyages. Le chauve. Et nous avons Grizzly. Alors, Grizzly, où es-tu, mon ami? Grizzly, tu es à 7. Mais comme tu as à aplanir les murs. Et donc, normalement, tu ne peux faire que les murs, si je ne me trompe pas, et pas les sols. Alors que tu me fais les sols. Tu vois, ça ne va pas, mon petit. Et en plus, tu nettoies. Alors, comment ça se fait que tu nettoies? D'accord. Sans doute que tout, on va un peu regarder tout, tu devrais quand même y aller aussi avec tout. Avec un Tramoros, tu y vas, et avec tout, tu y vas. Donc, pourquoi, Grizzly, ne vas-tu pas transporter? Parce qu'il est 21h et que on nettoie de 21h à 22h. Donc, tous ceux qui sont normalement en 8, tu vois, si je regarde ici, ou tous ceux qui sont en 7 passent en 6. Non, pardon, tous ceux qui étaient en... Normalement, ils sont en 8, sauf lui qui est en 6, mais comme il est l'heure, monseigneur, il passe en 5 et les autres passent en 7. Voilà pourquoi il nettoie. Et c'est assez pratique, je trouve, de nettoyer 2 heures par jour, c'est pas des tonnes. Mais c'est juste avant d'aller manger. Et donc, c'est pas plus bête. Je trouve que c'est pas plus bête. Bien entendu, vous avez tous les autres ordres qui sont inférieurs, qui continuent à être mis en route, bien sûr. Ah, c'est bon, vous en êtes où? Un jour 6, ça devrait petit à petit se faire. Ils sont plusieurs à y aller. Anarchiste totalement guéri aussi. Est-ce que mes personnages ont reçu un petit problème ou pas? Aucun problème. Decker, aucun problème. Lumbago, c'est pour après, ma chérie. Alors, ici, je ne sais pas très bien. Si quelqu'un peut me dire, parce que je ne connais pas encore bien les liens psychiques, est-ce qu'il faut que je l'entraîne au-delà d'un certain niveau pour qu'il puisse continuer à monter, ou bien... voilà, comme on voit ici, hein, des niveaux plus élevés de concentration permettent des capacités de psy de niveau supérieur, mais augmentent également le taux de dissipation. La concentration est un type particulier de restructuration mentale qui est nécessaire pour utiliser des capacités psy. La concentration psychique se dissipe, ça on a compris, la perte, mais il ne me dit pas comment je peux monter de niveau. De 0 à 25% progression au niveau 2 de la capacité psy. De 0 à 25%, mais je suis à 50%. C'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est ce 0 à 25%. Alors que je suis qu'au niveau 1, moi. Donc il faut peut-être passer des 100% et aller jusqu'à 125%. C'est possible, hein, mais je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Si quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là, ça me ferait plaisir, merci les gars. C'est pas encore très bien documenté, ce truc. Hein. Parce qu'on voit que le chauve est ici, de toute façon, pour le moment. Et on voit qu'actuellement, normalement, c'est ça qui monte, sa concentration. On passe à 50.8, 60, 51, etc. Alors que je n'ai demandé qu'un désiré de 50. Bref, je n'en sais rien. Ce serait sympa que quelqu'un puisse me le dire. Comment que ça marche? Alors, voilà ta jambe de bois, pas ta jambe, ta jambe bionique qui arrive, Bud.
Et ben le là. Anarchiste, j'aurais voulu que tu fasses un petit peu ranger un petit peu de matos. Déjà. Avec ça, puis t'iras manger après. Allô? Tu dépèces une créature. Donc, tu vas d'abord aller m'en chercher deux, trois aussi. Voilà. Tu auras comme ça plus facile. Et Grizzly, tu me fais. Tu as plané le sol. Tu viens aussi un petit peu. Voilà. Et toi, dame, que fais-tu, mon ami? Tu joues au fer à cheval à partir de là, c'est une bonne idée. Ah, voilà qui vient de se réveiller. C'est marrant, ça. Hein? Femelle. Non, t'as jamais été touché, toi. Tu viens de sortir de ceci. D'accord, alors... Donc, on va t'attendre ici. Anarchiste. On va regarder où il va. Ok. Anarchiste. Viens ici. Allô? Viens derrière lui. Vache. Viens ici. Ensuite. Le cœur. Grizzly. Viens ici. Dan. Anarchiste, on arrange ça. Et on va te coucher. Ok. Bon, allô, bah, tu vas venir. Est-ce qu'il y a encore des... On va regarder en faune cette fois-ci. Non. Et on va regarder en ennemi s'il n'y en a pas d'autres. On ne sait jamais. Hein. On va quand même les buter, ces trucs. Non, il n'y en a pas. Ok. Je n'avais pas tout regardé. Donc il y en a un qui est sorti d'ici, normalement, je crois. Non. Denis, voilà. On se reproduit dans 5 points jour en raison de la maintenance. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans un jour 4, dans 4 jours 9.
Bah, Grizzly vient déjà récupérer les bidules à l'eau. Et Vache faites-moi déjà ça. Voilà, on va récupérer tout. D'équerre, même chose. Venez tout me récupérer, les gars. D'équerre. On va prendre 3. Grizzly, tu prends celui-là, puis tu me prendras. Et puis tu me prendras. Et puis on fermera la porte. On va récupérer quand même toute une série de trucs. Hein. Et il sort d'où ces petits enfoirés là. Il m'a pas dit que, tu vois. Ah, il sort produit. Voilà le problème qui se pose. D'accord, on va buter ce truc. Toi. Toi, stop, tu viens ici et tu ressors. Ça va, porte se referme et on va finir tout ce qui dure parce que sinon on va pas y arriver. Je vais en avoir tout de suite une beaucoup trop, ça va être trop important. Donc on va se repositionner. Allez Jean-Marc, tu viens ici. Libellule, tu viens ici ma belle. Grizzly, on va t'attendre. Dame, tu viens ici. Marchiste, t'as pas encore été soigné. Où es-tu? Viens ici, anarchiste. Dame, c'est parti. Maker, tu peux rester là. Libellule, tu es parti. Allô, et Vache. Bon, allez-y. Ah, j'avais une onde psychique, moi. Je n'ai pas fait attention à ça. Bon, Vache, quand tu as terminé, tu viens ici. Bien entendu, j'ai encore fait l'idiot. Voilà. Parfait, est-ce qu'il y a encore des ennemis ou de la faune? Numbers, ennemi. Il n'y en a pas. Ok, on va finir tout ce truc-là. Please, je vais attaquer ça. Libellule. Voilà, Decker. Voilà. Bam, voilà. Le Caire. Le Caire. Tu bouges, tourne derrière, tu viens ici.
Ok, Grizzly. Tu vas buter ça. Bam. Tu viens buter ça. Toi, tu bouges ton derrière. Becker, tu tires ici. Libellule, tu tires là-bas. Oh, pauvre Coleman. Ok. Caravane détruite. Tac, tac. Alors, comment réagissent nos personnages? Mon ami Coleman est mort. Et Colon mort. Donc ça pendant 6 jours. Et son ami est mort pendant 20 jours. Autrement, j'aurais eu que pendant quelques jours. Je sais pas. Personne si merveilleuse, tu l'as même jamais vu, quoi. Peut-être si Decker tu l'avais vu, mais c'est même pas vrai, c'est même pas vrai, regarde. Ils sont tous... Où est-ce qu'il était, Coleman? Je ne vois plus Coleman, en plus. Ah, c'était des conneries, tout ça. Même chose pour toi, mon ami Coleman est mort pendant 20 jours. Pendant 20 jours. Toi, t'as besoin de sortir un peu, hein, Jean? D'ailleurs, on va sortir. Bon, ben tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tout ça, c'est des glumes. Ok? On peut les désinstaller ou les installer. Elles expirent. Je croyais qu'on pouvait les désinstaller, moi, avant, les glumes. Là, on ne peut plus les désinstaller. Est-ce que tu peux les... On peut plus rien faire avec, c'est quoi ce truc? Avant, on pouvait les installer et les réinstaller. On ne peut plus. C'est une nouveauté du patch. Eh ben alors là, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est vraiment pas gentil. Voilà, travail de désinstallation 4. Donc, je devrais avoir le droit de... Ah, c'est pas encore à moi. Je sais, c'est pour ça. Il faut d'abord que je bute tous les trucs. Bon, ben Jean, tu veux pas venir récupérer des bestioles. Voilà, comme ça, tu vas sortir un tout petit peu. Voilà. Bon, toi tu viens ici. Nous autres, on est là. Là, toi ma belle, tu viens ici. Toi, tu me tires sur ce truc ici. Oh oh oh. Tu viens ici et puis tu tires là. Toi ma chérie, tu tires ici. Voilà, on a fini. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a fait un bon petit bidule aujourd'hui. On va s'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et à très bientôt.